Hello YouTube, rien qu'en ayant vu le titre, vous savez que j'ai reçu déjà l'Aero 7. Je l'ai commandé il n'y a même pas 48 heures, c'est juste de la folie alors. Donc bref, on est parti pour le déballage. Alors, donc on a la fameuse carte SD qui est offerte, une SanDisk Extreme 32Go, donc la base pour toutes vos vidéos franchement. Et next, ça y est, elle est là, l'Aero 7. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Des stickers, bon, on n'avait pas encore assez. Dommage, ça, on va s'attraper. Donc, bah, le package, on retrouve forcément tout le bordel. Après, donc, tous les petits trucs en plus qu'elle a. Donc, photo HDR, je pense que ça va être mortel. Le Hyper Smooth, qui apparemment est aussi bien qu'un gimbal. Donc, moi qui ai le Feiyutech WG2, bah on verra. Je ferai des comparaisons. Par contre, je publierai les vidéos peut-être un peu n'importe comment dans la semaine. Bon, alors, comment on ouvre ça? Donc, tac ici. J'adore ne pas abîmer les packaging GoPro. Alors, bah, voilà le packaging de l'Aero 7 Black. Donc, quand on l'ouvre, on retrouve des petits manuscrits. Encore des stickers. Ils sont pas mal ceux-là. Je les avais pas ceux-là, tiens. Ils sont un peu différents de ceux-là. Un peu mat en fait. Là, c'est tout ce qui est notice. Après, on retrouve les petits compartiments avec le strict minimum. C'est vrai que je me souviens à l'époque, parce que j'ai eu la 1, après j'ai eu la 3. La 3, il y a eu la panoplie de choses. On avait, si je me souviens bien, 3 patchs, ou même 5 patchs adhésifs plats et 5 patchs adhésifs incurvés. Maintenant, il y en a un. L'Aero 4, je me souviens, il y en avait 2 ou 3 chacun. Maintenant, il n'y en a plus qu'un seul. C'est vraiment le minimum, la fameuse petite batterie lithium, le fameux câble USB-C. Allez, on va l'enlever. Alors, remove, il faut d'abord dévisser ça. Boum! C'est en mode gros plan là. Et voilà, la Aero 5 Black et la Aero 7 Black côte à côte. Donc on voit un peu les différences de couleurs. La Aero 7 Black est beaucoup plus foncée en termes de couleurs. Ici, le GoPro il est un peu plus visible sur la cécité colorée avec du les couleurs bleues comme sur le logo qu'on peut voir ici. Et sur le côté, pour vraiment dire voilà, j'ai l'Aero 7 Black, et bah c'est écrit. Parce que il y a la Silver 7 et là il y a la White 7 aussi. Et l'écran, on retrouve le même, c'est la même chose. Du coup, voilà à quoi ressemble la GoPro en mode gros plan. Tac. Alors voilà, en fait, par rapport à l'Aero 5, là il y avait des rayures en fait, une sorte de grip qui était différent. Le bouton mode il change un petit peu parce qu'avant il y avait une espèce de petit. Tag light ou je sais plus comment on appelait ça. On va retirer ça. Alors, personnellement, moi je mets en français. Déjà, on sent que le tactile a bien changé. Hein. Franchement, la GoPro est plutôt simple à prendre en main. Je vous conseille de diminuer la lumière de l'écran. Vous avez gagné en autonomie, c'est un truc de dingue. Personnellement, avec ma Aero 5, je filmais toute la journée, je finissais la journée avec 20 à 30% de batterie. Alors, je sais pas si j'ai réussi à roder la batterie, mais jamais eu de problème de batterie. Avec la Aero 7, on verra très bien tout cela plus tard. Donc, il faut savoir en fait que la Aero 7 Black, elle va incorporer maintenant le Hyper Smooth. Ça équivaut à peu près à un gimbal. Moi, je fais les tests, on verra bien. Donc sinon, la Aero 7 Black est toujours waterproof, sans le caisson, donc jusqu'à 10 mètres. Et si vous voulez aller au-delà de 10 mètres, donc jusqu'à 30 mètres, 20 mètres, il vous faudra le caisson étanche, ce qui est plutôt pas mal. Et donc, du coup, enlever la petite lentille qu'elle a. Elle incarne toujours le fait de pouvoir lui parler, enfin le contrôle, le voice control. GoPro take a picture, GoPro take a photo, je sais pas comment ils disent. GoPro take a movie, a video. Et bah bam, la GoPro va tourner ou prendre la photo. Maintenant, elle va avoir le, ce qu'ils disent, le super photo. Donc ça va faire des photos en HDR. Donc un peu comme sur l'iPhone, le portable. Et après, c'est GoPro, est-ce que ce sera plus puissant? Je sais pas, je ferai des tests. En plus, en RAW et après avec des retouches Lightroom. Mais je pense que ça va être... Un truc que je pense que je risque de bien kiffer, c'est les lives Facebook. Donc ça peut être... Alors je sais pas encore comment ça va fonctionner avec la Aero 7 là, mais je pense qu'il suffira, enfin moi je la mettrai sur ma visière comme d'habitude, connecter peut-être avec le portable, quelque chose comme ça, et là du coup il y aura un live Facebook qui va démarrer, et vous me verrez en live descendre une piste, par exemple à la montagne si la connexion est bonne, ou une piste dans les environs, donc ça peut être vraiment pas mal.
Après, il y a le Time Warp qui vient d'apparaître. Moi, je le faisais déjà avec Final Cut Pro X. Donc, tu prenais ta vidéo comme tu pouvais, tu essayais de stabiliser en post-production et tu faisais ça en accéléré. C'est une vidéo accélérée en fait, pré-stabilisée. Enfin, ça prend vraiment tout en compte dès le départ plutôt que de le faire en post-production qui te prend plus de temps. Donc, au moins que ça soit fort sympathique. Après, l'écran tactile, je ne sais pas si c'est même que la 6, mais je sais que par rapport à la 5 qui se trouve là, la 5 c'était franchement approximatif. Hein. Parfois, quand on veut slider le milieu de la vidéo, et ben, bim, tu arrives à la fin de la vidéo, donc c'était pas terrible. Je sais que la Hero 6, j'ai pu voir sur celle des potes, l'écran était beaucoup mieux, t'avais un tactile qui était beaucoup plus précis. La Hero 7, je pense que, à savoir s'il est amélioré ou si ce sera le même, mais déjà j'en suis fortement content. Après, maintenant, en termes de setting, en termes de réglage de vidéo, je sais que maintenant, elle intègre le 4K 60 fps. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que le 4K a pas mal de gros avantages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça va être le 2,7K, je pense, avec le Super View, à faire des tests, à voir tout ça. La Hero 7 reprend la puce GP1 en français, qui était présente sur la Hero 6, qui n'est pas présente sur la Hero 5. Du coup, vous avez beaucoup plus de puissance en termes de photos et vidéos, surtout dans le low light par exemple. Donc ça, c'était plutôt pas trop mal. Moi, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup sur l'Hero 7 parce que entre la 5 et la 6, j'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai eu beaucoup d'articles et ils disaient que c'était pas inutile, mais presque inutile de passer de la 5 à la 6. Par contre, de la 5 à la 7, c'est beaucoup plus avantageux parce que du coup, on bénéficie des avantages de la 6. Plus les nouvelles fonctionnalités de la 7 Black. Donc c'est pas mal. Après, si vous voulez encore continuer à attendre, parce que peut-être qu'il y aura une 7 Plus, comme ils avaient fait avec la Hero 3 Plus et la Hero 4 Plus, si je ne dis pas de bêtises, ça se trouve, il y aura une 8 à la place, ou une session 7 par exemple, je ne sais pas. Et voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo unboxing avec la GoPro Hero 7 Black, qui vient de sortir il y a une semaine. J'espère que j'aurai été assez synthétique. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'oublie pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, ciao !